Coucou les filles, bon j'ai décidé de vous montrer ça après le vlog. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté aujourd'hui. Donc j'ai pris d'abord les poils que je vous ai parlé dans le vlog avec les vignettes. Donc j'ai cette poêle là, on dirait un wok mais c'est plus petit. Pour le dimension c'est 28 cm de diamètre. C'est la marque Tefal, de fabrication française. Franchement nickel, rien à dire, hein. C'est assez lourd. Voilà le poignet. J'ai payé ça 5 euros. Voilà. Vais vous dire si c'est tout feu ou pas. Je pense que c'est tout feu, oui. Oui. Regardez derrière. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est une petite poêle de 24 cm de diamètre. Donc, elle est pas mal. J'aime bien. Et 5 euros, pareil. Voilà. Dites-moi votre avis, si vous aimez ce bon plan, si vous avez aussi acheté les poêles ou pas. Donc voilà pour les poêles. Et je vais continuer, hein. Il y a aussi des casseroles. Ça, c'est vraiment pas très intéressant. On va continuer avec les produits frais. Donc j'ai pris de la crème liquide, hein, pour la cuisine, hein. 30% de matière grasse. La crème liquide, elle m'a coûté 2,06 €. Donc c'est la marque Carrefour. La bouteille, elle fait 20 centilitres. Sinon, j'ai pris celle-ci pour la pâtisserie. Pourquoi j'ai pris celle-ci pour la pâtisserie? En fait, ça monte mieux. Ça tient bien quand vous faites des verrines ou un dessert, par exemple. Celle-ci, elle tient beaucoup mieux. Donc, c'est de la crème fleurette. 30% de matière grasse, 33 centilitres et 1,66 €. Donc, j'ai pris celle-ci pour la pâtisserie. J'ai pris aussi du fromage pour gratin, du fromage à gratin. De la marque Carrefour, 1,78 €, 150 grammes. Ça, c'est bien pour les gratins. Il est vraiment pas mal ce fromage. J'ai aussi pris du fromage mozzarella, pareil, de la marque Carrefour, 150 grammes, 1,93 €. Ça, c'est pour les pizzas. Voilà. J'ai pris aussi du saumon, ça, c'est pour les enfants, pour mettre dans les pâtes, avec de la crème, 180 grammes. Et ça m'a coûté, je ne sais pas, le prix, j'ai pas marqué. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, pour le saumon, ça m'a coûté 3,71 €. 180 grammes. Ça, je vais le mettre quand je préparais les pâtes pour les enfants dans la crème. Je vais couper un petit carré et je vais l'ajouter dans la crème. Voilà, ils adorent ça. Et franchement, c'est super bon. Alors, passons aux choses sérieuses, les filles. Je vous ai dit la dernière fois qu'il y avait une promotion. Sur les chocolats de Pâques qui restaient vraiment pas mal, il en reste encore. Donc j'ai pris des petits sacs comme ça de chocolat. Donc c'est là, c'est de la marque Lindt, c'est des petits lapins dorés. Donc des mini lapins chocolat au lait. Alors celle-ci c'était 5,45 €, 50% de réduction sur tous les chocolats. Il y a des petits paquets comme ça à la noisette. Donc, c'est des bonbons fourrés à la noisette. 2,99 €. Après, en caisse, il y a moins 50%. Donc, j'en ai pris deux. Dans la même marque, j'ai pris ce modèle avec des amandes. Cette fois-ci, pareil, 2,99 € et en caisse, ça passe à moins 50%. Donc, ça, c'est pour les enfants. Toujours avec les gourmandises, j'ai pris des bonbons halal. C'est des crocodiles comme ça, gélifiés. Alors, les bonbons, c'est 1,10 €. J'achète toujours ce modèle, c'est 100 grammes. Et je leur donne de temps en temps comme ça, pour le goûter. Pas tout le temps, hein. Faut faire attention aux dents quand même, aux caries. Donc là, c'est halal, il y a plusieurs modèles, hein. Il y a vraiment le choix, 1,10 €. Toujours avec la gourmandise, pour les enfants, j'ai pris du pop-corn à 2,15 €. Alors, il y a du popcorn comme ça, salé et sucré. Il y a 3 sachets à l'intérieur. Chaque sachet, il y a 92 grammes. Fabrication française. Là, c'est sucré. Mais le salé aussi, il est vraiment pas mal. Donc, en micro-ondes, c'est 2 à 3 minutes au micro-ondes, comme vous le voyez. Moi, j'achète toujours ce modèle. Rien à dire. C'est vraiment super bon. Et ça m'a coûté... J'ai pas mis le prix. 2,15 €. Toujours pour les enfants, j'ai pris des pailles.
ils boivent pas le petit déjeuner sans paille. Voilà, j'ai du mal à leur enlever cette habitude. Mais bon, pour l'instant, donc j'ai pris ces pailles-là à 2,50 € les 40 pièces. Donc il y a plusieurs couleurs. C'est en papier, hein. Cette fois-ci, on passe pour moi en fait. Pour moi, c'est une petite courbe, des chips comme ça que j'adore franchement. Et surtout, ne goûtez pas les filles parce que sinon après c'est fini. C'est tellement bon. 1,58 €. Donc ils sont en fromage. C'est super bon, franchement. N'hésitez pas à le tester. J'ai pris aussi un petit paquet de raisins secs qui m'a coûté quand même 3,40 €. Il n'y avait pas d'autres modèles avec que ça. 500 grammes. Et ça, c'est pour faire en fait du couscous sucré. Ça s'appelle le masfouf. On le prépare pour le ramadan. Voilà. Donc là, j'ai acheté ça pour le préparer pour ce soir. 3,40 €. Alors, j'ai pris aussi du couscous, bien sûr, qui va avec. Du couscous fin. 1 kg 100. Le couscous, c'est 3,60 €. Oui, 3,71 € pour le couscous. Il y a fin et moyen. Moi, je préfère le fin. Voilà. Je vous ai fait déjà une recette de couscous sur ma chaîne, ma deuxième chaîne, pardon. N'hésitez pas à faire un petit tour pour voir comment j'ai préparé mon couscous. C'est du couscous avec une sauce, hein, une sauce rouge, tout simple. Voilà. Je vous mets le lien en barre d'information de ma deuxième chaîne. Alors, j'ai pris du miel. Donc, cette fois-ci, c'est vraiment du bon miel, hein. C'est pour faire les baklawa, les gâteaux orientaux à base de miel. Le pot, il est en verre, 5,45 € 1 kg. Franchement, c'est l'idéal pour faire la pâtisserie orientale à base de miel. Franchement, c'est super bon. La dernière fois, mon mari m'a acheté le miel avec un pot comme ça en plastique et franchement, il est pas terrible. Donc là, quand je suis partie, j'ai pris ce modèle que j'aime beaucoup. Il est vraiment très bien. Alors, on va lire un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, le miel est déconseillé aux enfants de moins de 12 mois. Pour les ingrédients, c'est du miel de fleurs, mélange de miel non originaire. C'est tout. 1 kg. Alors, qui dit miel dit caissette pour gâteau. Donc, j'ai pris des caissettes comme ça, blanc, toutes simples. 75 et elles font 7 cm de diamètre, 1,30 €. Alors, bon plan, j'ai pris aussi des couteaux. Donc, c'est un lot de deux couteaux. C'est des couteaux de la marque Alpina. Donc, on connaît toute la marque Alpina, hein. Alors, le premier couteau, il fait 18,5 cm. Le deuxième, 19,5. Et le troisième, 22 cm. Voilà, comme ceci. Et franchement, le prix, il était très intéressant. À 2,99 € les trois. C'est pas mal, hein? Voilà pour les couteaux. J'ai pris aussi du gel douche de la marque Dop. Franchement, j'adore. J'adore les gels douche Dop. Que ce soit coca, bonbon, tarte aux fraises, pomme d'amour, comme ça. Là, j'ai jamais testé celui-là. Barbe à papa, j'ai hâte de le tester. Franchement, ça a l'air d'être vraiment tip-top. J'ai senti un petit peu. Ça sent super bon. Alors, pour le gel douche, je sais pas du tout. Je pense que c'est un ouri quelque, un truc comme ça. J'ai pris aussi du jambon comme ça, du bouillon cube, 1,11 €, c'est halal. Il y a 8 à l'intérieur, donc 80 grammes. Des fois, je rajoute ça dans mes sauces. Alors, pour tout ça, j'ai payé, pour les casseroles, pour les poêles, j'ai payé 10 euros. Voilà, 10 euros pour les deux. Vous montre bien, voilà, 10 euros pour les deux. Et là, pour mes courses à moi, j'ai payé au lieu de 51 € 42, j'ai payé 47,19 centimes. Voilà. Donc il y a une promotion avec les chocolats et tout. Voilà les filles, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné peut-être des idées d'achat. Surtout pour les poêles, c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment un bon plan. 5 euros la poêle ou les casseroles, franchement, c'est vraiment nickel. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt. Merci.